Paris, la capitale des pickpockets qui volent aux citoyens. Moi, je vais les hanter. Je t'explique. Les Bonetto. Des mafieux romains qui organisent des jeux de Bonetto juste en dessous de la tour Eiffel. Un jeu où tu mises de l'argent pour trouver une balle entre trois verres. Et cette balle que tu cherches, tu ne la trouveras absolument jamais. Et je vous parle pas d'une arnaque qui existe depuis il y a 10-20 ans. Je parle d'une arnaque qui existe depuis le 15e siècle. Visualisez cette peinture réalisée par Hieronymus Bosch. Vous pouvez donc voir le jeu du Bonetto représenté. Maintenant, regardez la personne qui joue. Tout en se faisant arnaquer au départ, cette personne se fait également pickpocketer par un autre voleur juste derrière elle. Agressif lorsqu'ils sont filmés, j'ai décidé d'aller à leur trace avec un tracker de pickpocket nommé Achilles. Les gars, arrivé sur Paris, je me suis donc lancé 3 challenges. Challenge numéro 1, ça serait de arrêter un des jeux de Bonetto qui est donc live et vraiment en cours. Challenge numéro 2 serait de trouver un des pickpockets agressifs qui a attaqué Achilles. Pourquoi t'as filmé? Serait de trouver un des pickpockets agressifs et de lui balancer de la farine. Challenge numéro 3, allumer un pickpocket avec un pistolet à eau. Les gars, là on s'approche, il y a un guetteur juste là. Voilà. C'est quoi les gars? Réussite pour le premier challenge, on a donc pu arrêter un des jeux de Bonetto en cours. Malheureusement, on n'a pas pu tirer. Partons donc pour le challenge 2. Oh, Pablo! Pendant qu'on rôdait en dessous de la tour Eiffel, je vois que le groupe d'Achilles est en train de courser un groupe de Bonetto. Moi, j'en informe donc Pablo et Cooks qu'ils étaient assez loin et je pars directement à leur trace. Là, à droite! Là, il est là! My brother! What are you doing, my brother? Ils vont se barrer, secours! Ah ouais, il a réussi son coup, lui! Il est malin! Pickpocket! Scammer in here! Scammer in here! Scammer in here! En courant, les gars, les pickpockets se fatiguent. Nous aussi, on se fatigue. Et puis, regardez qui se retourne vers nous. Un des targets principaux qui était agressif et qui s'est mis donc à attaquer le groupe d'Achilles. Pourquoi t'as filmé? Moi, les gars, je parle assis. Hein. Ils sont là-haut. Ils sont où? Là. Ok. Un pickpocket, il vient de rentrer là. Un big pickpocket, c'est un mec doudoune blanche. Il arnaque des gens, ils sont ici. Celui qui est trop cool. Ok, on va le trouver. Vous avez pas vu des gens essouffler, courir? Tu vas là-bas et tu cries si tu le vois. Enemy spotted. Arrête! Je sais pas s'ils sont rentrés ici, mais les SB. Ok, ça y est, ça. Ils arrivent. Police. My brother, what are you doing? Je suis pas sûr que c'était eux. C'est eux ou pas? C'est toi? Il m'a coursé! Hey, what are you doing, pickpocket? Connard! Ça, c'est quoi? Hein? Vous êtes là maintenant? C'est eux! Sortez, laissez-les sortir! Pas dans le magasin, juste devant! Faut pas courir, vous allez où? Do not run! What do you do, my brother? Pickpocket! Attrapez-le! Arrêtez-le! Avec Chain Nation ou bien Make It Shine, on fait un grand giveaway. Ils ont changé leur nom vers Make It Shine parce qu'ils aimeraient incorporer plus leur marque dans la streetwear, moi je vous le dis les gars. Et pas seulement de la streetwear parce qu'aujourd'hui, avec Make It Shine, vous avez aussi la chance pour ceux qui achètent le merch de gagner un point d'antif spécial qui match parfaitement avec votre merch SBR. Vous m'avez déjà vu sur les réseaux en train de poser avec leurs bijoux. C'est parce que dans la bijouterie, les amis, c'est les numéro 1 en France. Make It Shine vous offre donc un catalogue extra large. Vous avez donc la chance
chance de prendre des bijoux, des boucles d'oreilles, des bracelets et en même temps choisir un des trucs qui sont très low-key comme celle-ci ou des trucs qui sont hyper flashy comme ceci. Et non seulement, regardez juste dans quel état j'ai reçu leur Apollo Box. C'est donc une box où tu peux donc recevoir tes colis avec un LED dedans. Les gars, Make It Shine est connu sur Trustpilot pour avoir 5 étoiles. Ils expédient vos colis dans 2 à 3 jours en Île-de-France. Excellent service et c'est le cadeau parfait. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Envoyez Club en DM pour recevoir moins 20% sur votre prochain commande. Pickpocket, attrapez-le! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Hey, pickpocket! Hey, my brother, why are you running? Pour vous aider? Pendant la course poursuite, j'ai réalisé que j'ai quand même fait quelques dégâts. Je suis donc retourné vers le magasin. On a nettoyé les lieux. Et en nettoyant, j'ai aussi réalisé que malheureusement, j'ai perdu mon téléphone. Vous avez pas vu un téléphone tomber? C'était des voleurs, pickpocket, je sais pas si vous connaissez. Oh, c'est pas ici. Ok, merci, monsieur. J'ai fait tomber mon téléphone. Les gars, vous avez pas vu un téléphone? Il y a le numéro dessus. Nul vir, zéro. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est des voleurs en fait, des pickpocket qui volent les touristes et tout. Pickpocket arnaqueur. Et désolé du de la commotion que ça a causé. Merci. Ah, merci. Ok, tout est bon qui. Ah, c'est téléphone. Merci, au revoir. Ah, Cox. Yeah. Ah, il est là, il vient. Il est venu à son aise, il a mangé le pain et le lait. Et voilà les gars, réussite pour la challenge numéro 2. On a pu trouver un pickpocket agressif et lui remplir de farine. Même deux dans ce cas-ci, parce qu'on a pris son alcoolite avec lui. Maintenant, partons pour le challenge numéro 3. On se retrouve à de nouveau marché en train de rechercher le groupe Ubuntu. Et là, Achilles et son groupe, ils prennent beaucoup d'avance. D'un coup, bam, je leur vois courser, mais vraiment bombarder derrière un pickpocket. Ah, my brother. Pickpocket. Moi, je me dis, je suis. My brother, pickpocket. Pickpocket! Pickpocket! Spartacus! T'es mort! Attendez, attendez les gars, deux secondes. Vous voyez mon pote là? Analysons-le. Joey, c'est mon pote qui m'aide à cadrer. Parce que voilà, on n'a pas le budget de se prendre un caméraman. Donc il m'aide à cadrer. Moi, je lui donne donc des consignes de rester à côté de moi et de juste simplement filmer moi et les pickpockets. Lui, en fait, les gars, il a pas envie d'être un cadreur, je pense. À chaque fois qu'on voit un pickpocket, c'est lui le premier à bombarder derrière un pickpocket. Il leur des pierres. Les gars là, il est en train de casser la pierre pour avoir plusieurs projectiles. Il me voit pas là. Et moi je reste bien à côté. Je continue à suivre. Espérons que la police le prenne au moins. Ouais. Ouais, ouais. Il n'y a plus rien dans sa main? Il a une pierre, il a une pierre. Pickpocket. 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 T'as même pas de cheveux, sale merde. Hé, hey, ils sont où tes cheveux? Viens. You bug. Ah, oh, cerclez-le. Loser, loser, pickpocket. Ah, il a tapé avec la pied. Ok, police, 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 police. Reste ici, police. Police. Listen, brother, we're gonna touch you. We're not gonna touch you. Put it down. No, hey, brother. Dangerous. Passe la pierre, pisse un peu.
Wesh, est-ce que ça t'allume pas, wesh? Vas-y, vas-y. Pickpocket! Il va bientôt lâcher. Il va bientôt lâcher la cardio. Parlant de cardio, les gars, ce mec il a pas lâché du tout. Je sais pas. Hey, on lâche pas. C'est un pickpocket. Et il a voulu lapider un pote à nous. À coup de caillou. Donc là c'est la police. Ouais ouais. J'ai perdu sa trace. Puis je vais. Ah, il est là. Il est là. Il s'est vraiment mis à prendre une grande avance sur tout le monde. Et bien évidemment, les gars, je pouvais pas du tout le lâcher. Tu jogues, je jogue. Tu jogues, je jogue. Là, je me retrouve tout seul. Plus droit, je crois. Il est où? Il y a des mecs qui nous ont fait tout droit. Là, actuellement, je me retrouve tout seul, devant, mais je lâche pas en fait. Je sais pas où il est, je l'ai perdu. Non. Il est ou bien rentré dans le sas là-bas, ou bien il est monté ici. Je sais pas. Il ramène sa team, il ramène sa team. Hey, il va nous violer, il va nous violer. Non, ça n'est. Ah, attention, 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 attention. Fais gaffe, cassez-vous. Il y avait vraiment des gens qui étaient en train de courir avec nous. Cassez-vous. Ils sont à 5 hein. Mon ami il est où? Parti par là. Ok merci. Ah non mais ils sont venus à plusieurs. Ouais je suis là, t'inquiète pas, il y a rien à faire. Tu sécurises le quartier. Il y a Nicolas et Cox et Pablo qui sont en dessous du pont là. Ils envoient pas leur localisation donc je sais pas si c'est là où on s'est fait courser par les gitans. Did you see somebody run? Yeah, that way. Ok. Parti par là. Guys, stop. No violence, I am journalist. What? I am journalist. Hey! What are you doing? What are you doing? Stop! Calm! No. Every day to come down! Can't get one! I'm from Belgium! I'm from Belgium! I am a journalist! Stop! Oui! Je suis journaliste, ok? Tu es journaliste, toi! Oui, je suis journaliste, RTB! Oui, il Je suis journaliste! Il n'y a pas de. Wakanda TV! Responsable! Wakanda TV! Attendez, la police va arriver, il faut qu'on explique ça, ok? Appelez votre ami. Il n'y a pas de pickpocket ici, vous pouvez les filmer, les mettre sur YouTube. Compris ou pas? Calme. Venez ici. Est-ce que tu m'as vu, moi, un noir ici? C'est la première fois que tu me vois, ok? J'ai vu mon ami se faire attaquer avec un caillou. C'est normal, ça? Un caillou sur le crâne. Eh, calme. Pas de violence. Ouais, c'est calme. Ok, calme. Moi. Ils ont vraiment ramené le roi des gitans. Ouais. Incroyable. Vu qu'ils sont à 5 là, si t'es tout seul, c'est dangereux. Les gars, venez ici. Écoute, moi je suis calme, ok? Tant que tu me lances pas des pierres sur le crâne, moi je te fais rien, ok? La police doit venir. Tes actes sont punissables. Je suis seul avec les trois pickpockets. Je les suis. Oh, je suis tombé dans l'autre.
Quoi? T'es tombé dans l'eau? Avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu. Oh! Non! Vous venez d'où? Je suis belge. Les gens, ils ont eu peur de ça en fait. Vous étiez de l'autre côté, mais vous avez montré l'arme, non? C'est pas ça? Il n'y a pas eu un truc comme ça? C'est un truc de route. Mais les gens, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était d'accord. Une arme à la couche. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec les Roumains là? On fait des vidéos sur internet devant le Carglass. On embête. On passe de Tour Eiffel. Oh! Tu vas nulle part, frangin! Tu vas où? C'est fini, mon pote! T'es cuit, t'es finito mec. Fini, police, parlez. Respire l'air là, avant la cellule. Avant la cellule, respire. Respire l'air. C'est quoi, c'est un caillou? Du coup quoi, tu veux courir? Toi aussi, on t'a sur caméra. Fils de pute, va. Les gars, j'ai fait mon cardio du mois là. Cardio, voix cassée, coque s'est tombé à l'eau. Cameraman s'est fait lapider par lui. No weapons. What do you want? Weapons or not weapons? No way, it's not stone. Stone? You have stone? Show me stone because you hit stone. No, no, no. Do this. No. No knife. No. No knife. Okay, listen. Why did you hit my friend? Hey, give me the stone, this one. Look. What? Huh? What? Yeah. My friend, give the stone. Yeah. Maybe you're right, maybe you're wrong, okay? We have cameras in Paris, okay? I don't want to go with the police. It's too late for police or not. Listen, I don't want problem with you. Les gens, ils appellent, ils pensent que c'est une arme, ils ont peur de ça, donc pour une blague, vous avez alerté tout le monde, en fait. Nous, on filmait, et c'est les pickpockets qui ont lancé une pierre sur lui, en fait. Allez, bon tour. Stay here. Ouais, stay here. Stay here. Mon problème. Stay here. Non. Stay here. Oui, give me that. Stay here. Ouais. Stay here. Take it by the hand. Huh? Stay here. Take it. Non mais c'est une très bonne idée sur les bonnes tours par contre les gars. J'ai la veste du pickpocket. Il a fait semblant de prendre une arme. Je sais qu'il bluffe. Mais il va rester ici. C'est pas une question de choix. Il va rester ici. Je vais pas le lâcher. Les citoyens ont cru que ça c'était une arme. Au final, les gars, même en alerte attentat, parce que voilà, ils ont cru que c'était un arme dans mes mains, ils sont restés très très gentils, très très professionnels. Eh, si maintenant je te pousse, ce serait déconné, hein. Tu vas pleurer, c'est ça. Je me suis fait contrôler d'une manière. Ils m'ont fouillé de partout. Et trois fois d'affilée. Regardez ma dégaine. Ils ont eu peur de ma dégaine. Ils ont pensé que j'avais une arme sur moi. Ils m'ont fouillé trois fois. Heureusement, j'ai tout jeté avant. Heureusement, sinon ils m'auraient embarqué. Contrôle au faciès comme d'habitude. Attention les gars, pickpocket! Fils de pute, va, laisse ta mère. Pickpocket! Pickpocket! Ouh! Ouh! Ah. Si ils ont besoin d'intervenir, on les appelle toujours et on allait le faire. Mais ils ont pensé que j'avais un arme en main, donc c'est ça un peu passé plutôt que prévu. Ouais, je suis loin les gars, j'arrive. Deuxième en fait, je l'ai suivi, c'est tous les trois. J'ai dit, viens, je t'en parle. T'as lapidé mon pote, mais non, tu dois à la police quoi. Ouais. Je dis, non, j'aime pas la police et tout. Je dis, ouais, mais c'est trop tard. Il court dans le métro, je prends sa veste, et après il fait. Et ok. Non, j'ai pas fait. Vous voyez mon pote Joël là? Une semaine après le tournage, il est retourné avec sa copine à Paris voir les pickpockets. Les gars, j'ai envie de taper les 5000 likes et on vous fera une partie 2 avec Joey. Stood in fear, hold me a bomb, don't it hold like Corbett.